Bonsoir à tous, bienvenue en direct en ce jeudi 21 octobre 2021 exactement. Vous êtes les bienvenus en direct sur Facebook et sur YouTube de La Place du Village. C'est l'heure de votre quotidienne comme tous les soirs à 19h pendant 45 minutes d'évasion en Savoie-Mont-Blanc. Vous faites découvrir des beaux petits endroits, des beaux villages, des villes, des rencontres, de la musique également traditionnelle de notre région. On parlera également de l'agenda de vos sorties dans les pays de Savoie. On aura également aussi de la météo et on aura également de très belles images de drones en survol à travers donc nos pays de Savoie. Voilà, donc c'est votre émission de proximité, c'est la vôtre. N'hésitez pas bien entendu à nous suivre donc sur Facebook et sur YouTube, et on salue également tous ceux qui nous suivent sur YouTube en ce jeudi plutôt assez beau. Finalement la météo était plutôt assez belle. On fera un point justement sur vos prévisions de la météo. Ça sera donc tout à l'heure aux alentours de 19h55. Installez-vous tranquillement si vous nous regardez sur votre tablette, votre smartphone, peut-être également sur votre ordinateur ou sur une télévision connectée avec l'application Facebook et YouTube. Vous pouvez regarder tranquillement cette émission en haute définition grâce à ces applications sur votre écran de télévision. Et bien ce soir dans la place du village, on va encore donc vous proposer donc de très belles rencontres durant donc cette émission. On va regarder justement donc le sommaire de ce jeudi 21 octobre. Et ben ce soir on ira en Haute-Savoie du côté de Faverges, Setnex exactement, avec donc Jean-Noël de Paris qu'on va donc retrouver dans quelques instants pour le grand reportage de 26 minutes. Côté musique et tradition dans nos pays de Savoie, on aura le groupe Message ce soir avec J'ai donné mon cœur aux montagnes, donc du côté de Bourg-Saint-Maurice. Ça sera à découvrir donc tout à l'heure. Donc côté musique, on aura l'agenda de vos sorties à venir dans nos pays de Savoie. Il y a encore tout plein d'événements qui va donc se dérouler dans les jours prochains. Et puis on aura également, on parlera cette fois-ci du savoir-faire d'autrefois. Ce soir dans la place village, on ira du côté de Seyssel avec la famille d'Épigny en Haute-Savoie avec cette visite et ce reportage fait par Jean-Noël de Paris, donc à suivre tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, on ira dans le ciel tranquillement avec un drone tous ensemble pour terminer l'émission avec de très belles images et un très beau montage d'Annecy avec City Kaka à découvrir donc tout à l'heure, donc avec de très belles images du lac d'Annecy et de ses environs. Donc ça sera pour clore cette émission donc tout à l'heure. Voilà donc pour le sommaire donc de cette émission en ce jeudi. Vous êtes les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre, soit en direct, soit en replay sur Facebook et sur YouTube. Allez, c'est parti, direction la Haute-Savoie ce soir avec toujours de très très beaux reportages, notamment de très belles rencontres. On va donc s'intéresser à Faverges-Setnex ce soir en Haute-Savoie avec des rencontres à travers donc cette très très belle petite ville bien sympa. Justement, Jean-Noël de Paris est votre guide pendant ce reportage de 26 minutes. Et on se retrouve juste après pour notre rubrique musique et tradition à travers les pays de Savoie.
1er septembre 2016, bonjour à tous, c'est le jour de rentrée scolaire. Émission marquée par la rentrée scolaire, c'est un moment fort dans la vie de nos communes. Et pour tout vous dire, nous sommes aujourd'hui devant la mairie de Sétenay. Mais attention, Sétenay a fusionné avec Faverges et c'est monsieur le maire de Faverges-Sétenay qui me reçoit avec son adjointe Françoise. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est jour de rentrée. Important. C'est le jour le plus important pour nos enfants, n'est-ce pas? Donc, il faut être là. Voilà, et vous faites la tournée des pop-ups, il y a plusieurs écoles ici sur la commune. Cinq. Nous avons donc l'école de hameau, du hameau de Vezonne. Oui, absolument. Le groupe scolaire de Vieux, Vieux-Faverges. Le groupe scolaire René Cassin. Ouais. L'école de hameau de Frontenay. Ouais. Et puis donc, là, devant... Voilà. La mairie, le groupe scolaire de la mairie de Sétenay. Alors on dit bien, il y a eu fusion, vous êtes le maire de l'ensemble qui s'appelle Faverges-Sétenay, qui fait plus de 8000 habitants. Tout à fait. Combien Faverges à peu près? 7008 et maintenant 600, donc voilà. 8004. Et M. Guénan est le maire délégué de Sétenay. Tout à fait. Absolument. Jacques Guénan. Il faut rappeler que c'est naturel que cette fusion-là s'est faite progressivement et qu'il y a des proximités entre les deux communes. Tout à fait. Voilà. Nous travaillons depuis de nombreuses années par l'intermédiaire de la station du stade de neige. Absolument. De la 108, absolument, n'est-ce pas? Ouais. Où Faverges et Sétenay sont partenaires depuis de nombreuses années. Voilà. La place du village, vous voyez, s'adapte à cette nouvelle loi, la loi NOTRe, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein, exactement. Qui a marié les communes. La fameuse loi NOTRe. Absolument. Parce que nous, on était habitués à nos complexe. Petits villages, à nos petites communes. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, le rapprochement? Ça s'est très bien passé. Ouais. Et puis, il y a une nécessité qui fait qu'on partage davantage de choses ensemble. Exactement, exactement. Ouais. Hein, nous sommes de concert avec les projets de Sétenay, les projets de Faverges. L'entité se fait tout naturellement. Voilà, donc justement, monsieur le maire, on vous a sous la main avant la visite de l'école, on le dit bien ici à Sétenay. Cet ensemble-là, qui est sur les caractéristiques, on marie effectivement une partie urbaine, une partie campagne, donc il y a plein d'atouts, la montagne, la vallée, la plaine, tout ça. Oui, c'est ce qui fait le charme du territoire. Alors deux mots avec votre adjointe ici, qui va nous dire quand même le jour de la rentrée scolaire. Il faut s'occuper un petit peu de tout, voir si tout se passe bien. Et en général, tout se passe bien dans les écoles de notre République. Oui, c'est vrai, tout se passe bien. Il y a quelques petits couacs, mais bon, ça va être... solutionner rapidement. Tout à fait. Donc vous prenez soin, c'est ça, d'aller voir un peu ce qui se passe, d'aller écouter les enseignants, voir les parents éventuellement. Tout à fait, oui, oui. Bon. Et nous sommes obligés de nous adapter à la nouvelle circulaire. Absolument. Concernant la sécurité. Alors un mot quand même, 1er septembre 2016, la question effectivement de la sécurité, on parle de terrorisme, là on a l'impression qu'on est un petit peu loin de tout. Hein. Oui. Heureusement. Mais nous sommes obligés de satisfaire à cette circulaire. Et effectivement, des travaux sont programmés, des travaux vont être entrepris pour que nous soyons, entre guillemets, aux normes. Aux normes. En tout cas, on vous souhaite une belle rentrée. Merci. À tous les enfants, à tous les parents des enfants, aux enseignants et à vous-même également. Et puis, monsieur le maire de Faverges-Sétenay, la place du village retournera à Faverges, qu'on aime bien. Et puis on va vous remercier de nous avoir répondu ici un peu au pied levé avant la visite de l'école. C'est ça la vie de nos villages, il faut être présent sur le terrain. Merci. Merci, un grand merci. Dans un instant, on ira faire tirer un tour vers la cascade. Continuez parce que c'est très important ce que vous faites. Vivre nos villages, merci beaucoup. Et puis on ira en fin d'émission voir Janine qui nous parlera de l'école d'hier et des souvenirs qu'elle avait à rentrer à l'école. Voilà, ça c'est autre chose. Émission. Ça sera très intéressant également. Comparer les choses, émission tournée par François Jounas aujourd'hui, assis de Yoann Guillermin. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. À Sétenay, il ne faut pas manquer. Alors, pas manquer la visite de la grotte et de la cascade, ça va ensemble. C'est Johan, votre guide. Johan, là, il y a un joli parcours à faire. Ouais, il y a un petit parcours sympa. Il y a toute une balade qui se fait à la cascade. Et puis, on fait des visites de grotte de 45 minutes à 1 heure. Ça dépend un petit peu comment ça se passe dans la grotte. Alors, le parcours d'approche se fait quand même sous les arbres avec de la mousse et des lumières extraordinaires. Ouais, il y a pas mal de mousse, il y a beaucoup de fougères, c'est un endroit qui est assez humide. L'été, on y est bien pour venir au frais. Quand le lac est complètement bondé, c'est toujours sympathique.
Et puis voilà, on y est bien, il y a un beau petit chemin, des belles petites allées, donc c'est chouette comme tout. Alors quand même deux mots, cette grotte, elle n'a pas été creusée par l'homme. Hein. Alors non, elle n'a pas été creusée par l'homme, en fait, il y avait une rivière qui coulait avant dans cette grotte, qui nous a créé une cascade aujourd'hui, il y a une déviation, enfin aujourd'hui on a une cascade, et on fait des visites de grotte à côté de cette cascade. On voit bien l'image faite par François de la cascade. C'est quoi ce ruisseau? C'est le Saint-Ruf, c'est un ruisseau qui part de la montagne de la Sambie au-dessus, plus précisément le col d'Orgeval, et qui va venir jeter un jour dans le lac d'Annecy. Et regardez-moi ça, c'est l'eau du lac qui passe par ici avant, elle est fraîche en plus ici. Hein. Ah, elle est fraîche et elle est meilleure qu'à Marseille quand elle arrive. Hein. Ça c'est vrai. Hein. C'est du calcaire, Johan, ici. C'est que du calcaire, ouais. Ah ouais. Ouais. Alors quelques mots sur la grotte, la longueur du parcours. Alors c'est une grotte, c'est un petit boyau, on y fait 250 mètres aller-retour. On parle surtout des comment l'eau a creusé, tout en restant familial avec les enfants, etc. Accessible à tous, on vous le dit bien, Johan, c'est un guide formidable. En plus, il est super sympa, super drôle, il parle anglais en plus. J'essaye. Alors quand même, on a vu des petites fougères, en tout cas de la mousse dans la grotte, c'est naturel ou bien? Alors c'est naturel, oui et non. Nous on a apporté des éclairages, c'est des éclairages qui chauffent un petit peu, donc les fougères ont réussi à venir ici. Donc il y en a qui disent qu'elles n'ont rien à faire là, mais si elles n'ont rien à y faire, est-ce que nous on a quelque chose à y faire vraiment? Voilà. Moi je les aime bien mes petites fougères. Et bien c'est beau parce que c'est de la vie aussi, un mot encore, les spéléologues, ça donne un cœur joie ici. Ils viennent de temps en temps, ils viennent un peu rechercher, ils montent un petit peu, ils creusent pour essayer de trouver un jour des sorties, mais pour l'instant, il n'y a rien de très concluant. Mais ils viennent s'amuser. Voilà, ils peuvent s'amuser, il y a des boyaux peut-être encore à découvrir. La température dedans, elle est fraîche, un peu comme dans le réfrigérateur. Hein. 12-13 degrés. Ouais, température constante. Température constante annuellement, donc on y est bien, on était comme en hiver. On dit bien, il n'y a pas eu d'ours qui ont peuplé la grotte. Hein. Pas eu d'ours. Il y a pas mal d'êtres humains, mais pas d'ours. Voilà. En tout cas, Johan est votre guide. Johan est du pays. Et Johan, c'est un plaisir pour toi de montrer un peu ces beautés de la nature ici. C'est clair, ouais. Et puis alors, on dit bien, c'est ouvert pour tous ceux qui nous regardent. D'abord l'été. Alors, on ouvre le 1er mai en général. Ouais. Et ça ferme mi ou fin septembre, ça dépend des saisons. La cascade, ouais. Magnifique. La grotte. Et puis également, il y a de quoi manger ici. Il y a une petite restauration sur place. Il y a une petite restauration, donc c'est du snacking, mais c'est sympa, c'est familial. Des fois, les gens, ils font la tyrolienne en redescendant de la tyrolienne. Un petit coup au snack, c'est toujours agréable. La tyrolienne, on dit bien, c'est pas le chant des Autrichiens, mais c'est... C'est un câble qui est suspendu, qui part du sommet de la cascade et qui arrive dans un arbre un peu plus loin. Des sensations fortes ici, à cette nez, on rit bien, on est à deux pas, on est à quelle distance de Fabergé? On est à 5 minutes, ouais, même pas, 5 minutes en voiture, 15 à pied. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre, notre ami Johan, le Savoyard, qui fait le guide l'été dans la grotte de cette nez? Et bah l'hiver, il est en train de chercher pour faire de l'animation pour des enfants, de l'animation nature, pour apprendre les choses de la vie un peu, plus importantes. On sent que c'est votre truc d'expliquer aux gens avec votre façon de faire. Bah ouais, j'aime bien ça. Puis surtout avec les enfants, c'est vraiment ça qui me plaît. Merci Johan, le guide, n'hésitez pas, la cascade et la grotte de Sétenay ouvert, on a dit bien tout l'été. Et puis venez ici, un sexy bar pour tout le monde. Et puis surtout, vous aurez un grand bol d'air frais comme on l'a fait, nous, avec François ou Johan à la caméra. On s'est régalé. Merci Johan. Merci à vous. On continue les rencontres à Sétenay et nous sommes avec Janine, 86 ans. Janine, c'est ça? Oui. Et vous habitez au cœur du village? Voilà. Au cœur du village, au chef-lieu de Sétenay. Vous n'êtes pas née là, par contre? Non, je suis née à une demi-heure dans un petit village, à une demi-heure du chef-lieu. Mais une demi-heure à pied. Hein. Ah, à pied. Parce que quand on allait à l'école, eh bien, on faisait à pied. L'aller-retour Chaque jour, oui, mais à midi, on mangeait quand même au chef-lieu. D'accord, donc l'école était au chef-lieu. Et alors, dites donc, est-ce que vous aviez les galoches? Ben, on avait bien des sabots, oui. Des sabots, ouais. Des sabots, et puis... des vêtements qui n'étaient pas si légers que maintenant. La pèlerine, elle était en drap, elle était lourde. Et la pèlerine, dites donc. Eh oui. Alors parlez-moi de l'école, parce qu'on imagine bien sûr la maîtresse, on imagine une maîtresse, maîtresse-femme, c'est ça ou pas? La classe était mixte.
Alors la maîtresse avait les petits, ouais. Et l'instituteur avait les grands. D'accord, il y avait un maître aussi. Hein. Et il y avait un maître, c'était un couple. Et comment, la maîtresse était très douce, alors que le maître, il fallait apprendre à tout prix, il fallait que ça rentre. Ça filait droit, comme on dit. Bon, ça doit être plus... Ouais. La façon d'enseigner a dû beaucoup changer. Mais tout le monde sortait de l'école en sachant lire, écrire et compter. Voilà, lire, écrire, compter, 1er septembre 2016 pour l'enregistrement. On rappelle bien, Sethenay, pas loin de Faverges. C'est le jour de la rentrée scolaire, dites-donc, aujourd'hui. Oui. Vous avez vu passer les enfants ici? Oui, ben, les enfants, ils sont conduits en voiture, dans maintenant. Les villages éloignés. Il y a un ramassage et puis il y a beaucoup de parents qui les amènent à l'école en voiture. Vous nous dites, Jeannine, que les enfants ne marchent plus. Et les enfants ne savent plus marcher. Ils ne savent plus marcher. Et alors, c'est pour ça qu'ils doivent faire du sport. Et voilà, bah écoutez, ça c'est important, la morale, c'est de faire du sport. Et vous, vous en faisiez, malgré vous, du sport. Je faisais de la marche. De la marche. Et de bon cœur. Et je n'étais pas... Parce que dans le village, il n'y avait que quelques habitants. Enfin, une vingtaine d'habitants. J'étais la seule enfant qui venait à l'école. Et mes cousines sont venues plus tard parce qu'elles étaient plus jeunes que moi. Sur la route, on ne craignait pas les mauvaises rencontres. Il n'y avait pas de voiture. Déjà, il n'y avait pas tant de voitures que ça. Très peu de voitures. Ça ne me venait pas l'idée d'être agressée. C'était paisible, comme on dit. Exactement. Il y avait des copains et des copines sur la route aussi. Oui, mais j'en perdais tout le long du chemin. C'était moins loin. J'arrivais toute seule au village. C'est pas possible. Puis, alors, on va dire, quand vous arriviez chez vous, il y avait encore le travail de la ferme. Quand j'ai été plus grande, j'ai quand même quitté, j'avais des parents qui étaient très, très cool, quoi. Parlez-moi de vos parents, les parents de Jeanne étaient cool. Mes parents. Ouais. Ça, c'est une... comment dire... On sent l'émotion à en parler. Oui, j'avais des parents qui, ma foi, étaient âgés. Ouais. Affectueux. Très affectueux. Ouais. Bon, ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient en tendresse. Et ça, c'est important que les enfants reçoivent de la tendresse, de l'amour étant jeunes. Oui, ça, c'est très... Vous étiez combien en famille? J'étais seule. Ah oui. Fille unique, donc il y avait beaucoup d'affection autour de vous. Ah oui. Oui. Et par le fait que j'étais seule, mes parents, je les ai accompagnés jusqu'à leur décès. Absolument. Et vous avez l'attachement, effectivement, fort jusqu'au bout et sûrement une grande douleur à les perdre. Oui, ils se sont fait très âgés, alors on se fait une raison. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un vide. Absolument. Bon, mes parents travaillaient d'agriculture. Les temps. C'est pas facile à l'époque. Oui, je suppose que c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de. Beaucoup de travail qui. Comment expliquer? À la main. Manuel, il y avait quoi? Manuel, alors on m'a dit la fourche. La fourche et la faux. Alors, comme ce n'était pas très plat... On rappelle, dans montagne, ici. La motofaucheuse a été une découverte. Délivrance, ça, oui. Ça a supprimé beaucoup de... Absolument. Il y avait un cheval chez vous, des bœufs. Oui, un cheval, et puis un je ne sais pas quand ça marche. Ouais. C'était une petite exploitation. Ouais, mais le lait était ramassé par l'abbaye de Tamier. Et on rappelle qu'on est par l'abbaye de Tamier, et ils ont fait leur fromage, le Tamier. Voilà. Ils ont acheté plutôt à un bon prix, d'ailleurs. Le prix était fixé sur l'ensemble des fruitières. Absolument. Alors, on n'avait pas de... Et la faux, vous avez manié la faux ou quand même pas? Oh non, je n'ai jamais... C'est réservé aux hommes. Oui, c'est réservé aux... Non, je n'ai jamais fauché, à part quelques orties à droite à gauche.
Et si on parle de faux, Jeannine, c'est que vous avez un jardin aujourd'hui extraordinaire, comme l'aurait chanté Charles Trenet. Voilà. Voilà. Comment vous faites? Parce qu'il faut le tenir, ce jardin, hein? Ben, c'est petit à petit, par petits bouts, on bêche, on plante, on sème, on repique, on y regarde pousser, on arrache l'herbe. Oh, pour moi, c'est un plaisir. Ça, c'est pas tout seul non plus. Non. Il faut arroser. Ben alors comment, parce que vous portez les... Ben, l'arrosoir, et ça finit par être lourd. Ah ben, dites-moi, les arrosoirs, quand ils font 10 ou 15 litres, ça fait du poids, hein. Non, ça fait 10 litres, hein, ça parce que... Ça fait 10 litres, un arrosoir, ouais. Alors, même... bon, j'ai bien une réserve d'eau, mais il faut qu'il pleuve, hein. Et ça a plu, il y a deux, hier. Hier. Ça a fait du bien. Ah, oui, parce que c'était très sec. Ouais. Alors, quand on parle de jardin, on parle de fleurs, oui, bien sûr, mais on parle de légumes. J'imagine, Jeannine, que vous nous faites des petits plats avec des produits du jardin extraordinaires. Eh oui, et des haricots, et de la salade. Et bien souvent, ben, il y a des personnes qui en profitent, hein. Oui, donc c'est la famille générale. C'est ça, la famille. Oh, même des étrangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ben, quand il y a beaucoup de salades, ouais, plutôt que de les voir abîmées... bon, il y a des personnes autour de moi qui n'ont pas de jardin. Et bon, ben, je donne facilement une... Jeannine est généreuse. Ça, c'est ça finalement, le plaisir est aussi de donner. Voilà, hein, voilà. De donc, récolter, de voilà, donner récolter. Le surplus. Absolument, parce que la terre, c'est ça, elle est nourricière. La terre, ouais, elle apporte la nourriture, oui, et il faut la respecter. J'ai toujours pensé qu'elle, ouais, nourrissait le monde. Eh bien, écoutez, vous avez bien raison. Et comme les patates, elles ne pousseront pas autrement que dans la terre. Eh bien, voilà qui est bien dit, c'est du bon sens près de chez nous. Et c'est un rappel, dites donc, à l'environnement. Notre planète, il faut la protéger. Oui, il faut la protéger. Comment on va se nourrir après? Eh ben oui. Ben, ouais. Les générations futures le verront. Verront, ça va être du lyophilisé. Ça ne me pose pas de problème. Ça va être du lyophilisé sous vide. Oui. Oh oui, quand on voit dans les supermarchés, bon, ces carottes râpées et tout ça, bon, on comprend qu'il y en a qui se régalent avec ça, mais moi, ça ne me tente pas. Hein. Écoutez, voilà, chacun son truc. Les bonnes choses viennent des bons jardins, bien travaillés avec amour, comme chez Jeannine. Oui. Dans leur... c'est quoi les petits plats que vous avez aimé préparer tout au long de votre vie? Là, c'est la petite page qu'on aime bien. Pas élaboré comme un grand, oh oui, c'est un grand chef. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais... Les confitures. Ah oui, oh, les confitures. Les confitures de grand-mère. Oui, oui. Alors, on arrive à faire des fraises. Ah, les confitures de fraises. C'est un plaisir de ramasser les fraises. Et puis de les manger aussi. Et puis, ben, pendant une bonne quinzaine... Ah, oui. Ça m'en dessert. Ben regardez les fraises du jardin. Alors, bien sûr qu'il y a des fruits et légumes aussi. J'imagine que vous avez peut-être fait des confitures, je ne sais pas, de pêche, de poire, de pomme. Ça existe, ah oui, bien sûr. Oui. Ben, des compotes, plutôt des compotes. J'ai fait la confiture de prune. Alors, nous sommes sous un prunier, pour tout vous dire. Hein. Oui, sous un prunier qui a quelques qui a pas mal de prunes aujourd'hui. Pas mal de prunes, c'est de la prune d'automne, ce qu'on appelle les pruneaux. Voilà, puis ils sont juste au-dessus, ils pourraient presque nous tomber dessus. Elles se conservent très bien, elles se conservent longtemps. Voilà. Parce que c'est une variété particulière. Oui, c'est une variété tardive. Bon, elles tombent les prunes comme ça, quand c'est mûr, ouais. Oui. Vous les ramassez avant? Bon, ben, il faut une échelle pour les ramasser. Attention, il faut une échelle. Puis attention, on pourrait se prendre une prune. Il vaut mieux prendre une prune ici qu'une prune sur la route. Et puis quand même, parce qu'on aime bien parler des bonnes choses, il y a des petits plats mijotés. Qu'est-ce qu'on aimait faire ici à Sétenay comme plat? Je ne sais pas, le farcement existe ici ou bien? Oh, c'est pas vraiment la région du farcement. Ce n'est pas la région, ici c'est plutôt la montagne un peu plus haut. Hein. Oui. Ouais. Chez nous, on faisait les beignets. Ah, les beignets. Les beignets râpés, quand on arrachait les patates, les plus grosses. Enfin, avec les grosses, on râpait, ouais, et on faisait du beignet de patates. Comment on appelle les beignets ici? C'est les beignettes ou bien? Ah, la beignette. La beignette, il y a différentes formules.
La bonniette ou le beignet, c'est à base de farine. Alors que la pâte à tremper, il y a la matière, c'est de la pâte à tremper avec des œufs. Et un peu de farine, et on met cuire ça dans de l'huile chaude. Ça c'est bon, dites donc, ça c'est bon, c'est bon. On va saluer la mémoire de votre mari, Jeannine, décédé malheureusement au bois, qu'il aimait tant pourtant les bois. Il fallait s'occuper. Oui. Alors parfois on se dit si on avait été un peu feignant. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, il n'y avait pas le choix, il fallait travailler. On était nés. Comment expliquer? C'était comme ça, puis il n'y avait pas le choix. Oui, il n'y avait pas le choix. Parce que, bon, malgré tout, quand la retraite arrivait, on a quand même profité du temps où on avait quelques vaches, parce qu'on était des doubles actifs. Et ouais, c'est ça, il travaillait à l'usine, votre mari. Voilà. Et quand il était à l'usine, qu'il faisait le boulot. Bien sûr. Alors, cette année, parlons de cette année aujourd'hui. On est au cœur du village, c'est bien calme, on est pas mal ici. Oui. Il y a l'école pas bien loin. Oui. Il y a la station. Et s'il vous plaît, une station de ski, là, sans buis. Oui. Mais bon, il faut qu'il y ait de la neige. Vous y montez un peu là-haut. À l'occasion. À l'occasion, Il y a les grottes de cette année aussi, hein. Oui, sous le village. Vous connaissez ces grottes? Ah oui, j'y suis allée plusieurs fois. Et la cascade de Sétenay? Oui, c'est ce qu'il y a de plus beau à voir. On voit des images à l'instant, la cascade de Sétenay. Et on y allait jeune quand vous étiez enfant? Oui, avec des visites aux scolaires. Bien sûr. Jeannine, merci, le secret de la longévité, 86 ans, en pleine forme, qui porte des arrosoirs de 10 kilos, Jeannine. Au moins 10 kilos. C'est quoi le secret? C'est bien manger, bien travailler? Oui, c'est une vie paisible. Hein. On n'a pas de problème de santé, c'est tant mieux. Mais ça, il faut aussi garder la santé. C'est un capital. Ah oui. Il ne faut pas trop fumer. Je ne fume pas. Il ne faut pas trop boire. Je ne bois pas. Alors. Et bien manger, hein, c'est ça en fait. Manger modérément et bouger le plus possible. Regardez-moi ça, on commence demain nous. Hein. On commence demain à bouger. Bouger activement. Pour moi, ça consiste à quelques balades. L'été, je me contente, je suis occupée par le jardin, tout ça. Mais l'hiver, je m'efforce de faire une marche d'une heure dans les alentours pour essayer de garder une bonne mobilité. La motricité, mobilité, bougez-vous une heure par jour au moins. Puis vous regrettez que vous ne puissiez plus voir la place du village. Ah oui, la place du village nous a beaucoup manqué. Elle revient. Alors on nous a fourni beaucoup de chênes. Beaucoup de chênes et je les donnerais volontiers contre la place du village. C'est un grand merci, c'est un bel hommage que vous nous faites. La place du village continue, rassurez-vous. Oui, ça je regrette parce que j'étais une fidèle. C'est gentil comme tout. Et puis, on voyait les gens du pays. Et puis il y avait quand même, on voyait des trucs marrantes. On va vous remercier beaucoup parce qu'on a pris beaucoup de bon temps avec vous, parce qu'on est heureux de vous rencontrer, c'est ça, la place du village. Je sais pas ce que j'ai raconté. Mais c'est bien, c'est des choses simples et qui nous vont droit au cœur et ça nous fait plaisir. On va remercier la caméra François Genoulaz, on va remercier Johan Guillermin qui nous accompagne aujourd'hui. Vous voyez les garçons derrière la caméra, ils sont là-bas. Et moi je suis très heureuse de faire la connaissance... Oui. C'est Jean-Noël de Paris mais c'est pas grave, c'est une fois sur deux. Un grand merci. Je vous fais la bise devant la caméra parce qu'il y a beaucoup de tendresse chez vous. Et je vous souhaite de vivre au moins aussi longtemps que Gustave Lausserand qui a fait plus de 100 ans. Oui, mais les femmes. Je vous dis, c'est pas toujours une chance de vieillir. On a plus en plus besoin. Les enfants sont là pour nous accompagner, mais
Merci beaucoup. L'émission La Place du Âge, c'est un moment de tendresse, comme ça on aime bien La Place du Âge. J'ai aussi un Facebook, n'hésitez pas à aimer, liker, s'il vous plaît, à le faire savoir, etc. À bientôt, à demain pour de nouveaux rendez-vous. Un grand merci à vous et à bientôt. Harvey. C'est moi qui vois. Harvey. C'est bien. Merci. Harvey, super. Voilà, ce soir dans la quotidienne Faverges-Setnex avec des rencontres signées par Jean-Noël de Paris. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, on est en direct en ce jeudi 21 octobre, tout juste 19h31. Donc si vous venez tout juste de prendre l'antenne, soit sur Facebook, soit sur YouTube, vous êtes donc tous les bienvenus. Et on va aussi également remercier tous ceux qui commentent également, même s'il y a des fois des brouteurs sur les réseaux. Veuillez nous excuser, mais c'est pas de notre faute s'il y a des fois des messages un petit peu bizarres. C'est un petit peu en raison de Facebook. Allez, merci d'être avec nous. On va continuer cette émission avec de la musique cette fois-ci. On va justement parler du groupe Message ce soir dans la place du village. Une pause musicale avec toujours nos traditions, nos musiciens de nos pays de Savoie qu'on met très régulièrement à l'honneur chaque soir dans cette quotidienne. On va les retrouver du côté de Bourg-Saint-Maurice avec des images de Mika Louis et la chanson que vous devez sûrement connaître, « J'ai donné mon cœur aux montagnes », tout de suite dans la place du village. J'ai donné mon cœur et ma vie, partagé la joie, la tendresse. J'ai donné mon amour au pays, partagé la joie, la tendresse. J'ai donné mon amour au pays. Tu viens de naître, toi l'enfant, toi le tout petit, tu auras le privilège d'être l'habitant d'un merveilleux pays. Tu auras le privilège d'être l'habitant d'un merveilleux pays. Car on fait parler de mes rêves, car on fait parler de passion. Et là-haut sur la montagnette, tu viendras écouter la voix de du pays qui chante à du maître, du pays qui chante pour toi, du pays qui chante à du maître, du pays qui chante pour toi. La rentrée, vallée de tes rêves, la rentrée, vallée de passion. Let's go.
Merci. Voilà, avec le groupe Message ce soir du côté de Bourg-Saint-Maurice pour J'ai donné mon cœur aux montagnes. Bonne soirée à vous tous si vous nous regardez sur Facebook ou sur YouTube. On continue cette émission, on va parler de ce qui se passe près de chez vous, en Haute-Savoie, en Savoie, dans vos villes et dans vos villages. C'est l'heure de votre agenda des sorties très prochainement dans les pays de Savoie. Et ben, les directions, la Haute-Savoie, ça sera le 11 novembre prochain pour le marché, justement, la foire de Saint-Martin, de retour du côté de Seyssel. C'est une bonne nouvelle. C'est donc maintenu avec, bien entendu, les gestes barrières et sous réserve de l'évolution réglementaire sanitaire. Le pass sanitaire obligatoire sur les buvettes durant donc cette foire de Saint-Martin. Ce sera donc du côté de Seyssel le 11 novembre prochain. Donc un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Un autre événement également aussi dans nos pays de Savoie, avec la démontagnée gourmande, ça sera du côté de Bourg-Saint-Maurice, ça sera ce dimanche, hein, ce dimanche 24 octobre, c'est l'occasion de tous donc de se retrouver lors de la descente des alpages, le rendez-vous entre amis ou en famille à partir de 10h pour le grand défilé des troupeaux de vaches, tarines et abondance, chèvres, moutons et autres animaux seront présents, ces troupeaux défileront dans toute la ville de Bourg-Saint-Maurice, accompagnés par le bruit des sonnettes. Et sur le parking de la gare, des stands de produits gastronomiques et des animaux animeront la ville tout au long de la journée pour fêter donc la fin de la saison des alpages. Une petite restauration sera prévue sur place. Donc rendez-vous ce dimanche du côté de Bourg-Saint-Maurice pour la démontagnée gourmande. Un beau événement à ne surtout pas manquer. En plus, on annonce pour donc du soleil et ça tant mieux. Un autre événement également dans les pays de Savoie, avec un vide-grenier cette fois-ci. C'est un beau moment aussi pour ceux qui aiment ça. Ça sera un vide-grenier d'Halloween, pourquoi pas. Ça sera le 31 octobre prochain, de 10h à 16h. Rendez-vous donc du côté de Villiers-le-Pelloux, c'est en Haute-Savoie, pour donc ce vide-grenier. Ça sera donc de 10h à 16h pour ce vide-grenier d'Halloween, donc le 31 octobre prochain à Villiers-le-Pelloux. On continue d'autres infos également. On va aller cette fois-ci du côté de Laclusaz en Haute-Savoie. C'est un beau événement aussi. Et ça a lieu tous les 3 ans. Ça sera la foire cantonale des moutons et des chèvres au champ Giguet, au programme concours de brebis toutes races et de chèvres de race alpine et des Savoie. Le défilé des bêtes primées tonte de moutons également. Donc le programme est donc au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à aller du côté de Laclusaz. Ça sera donc le 31 octobre exactement, donc à Laclusaz au champ Giguet, donc pour cette cantonale, donc de retour donc pour cette année 2021, donc dans la station au Savoyard. Voilà pour les événements. Alors, si vous avez d'autres événements à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les envoyer. On fera un plaisir de vous les communiquer à l'antenne chaque soir dans cette émission sur nos messageries Facebook et YouTube avec une affiche, hein, si possible, de joindre avec votre message. Voilà pour cet agenda. On aura encore d'autres bels événements demain vendredi à vous dire, de son notamment le week-end qui approche, donc avec pas mal de fêtes donc dans nos pays de Savoie. Allez, on va faire du savoir-faire d'autrefois. On va vous faire découvrir. On va aller direction Seyssel ce soir dans la place du village avec ce reportage que vous allez retrouver tout de suite. On va donc aller du côté de Seyssel avec une superbe conservation d'une forge thaïlanderie d'autrefois chez la famille d'Épigny. On va donc aller du côté de Seyssel en Haute-Savoie. Une visite guidée par Michel d'Épigny, le fil du Taillandier. Je vous propose de retrouver ce très beau reportage qu'a fait Jean-Noël de Paris du côté de Seyssel dans la place du village. C'est tout de suite. Voilà la forge qui tourne ici. Nous sommes à Seyssel, à Meaux du Martinet, avec la famille d'Épigny qui tient la forge depuis maintenant 3 générations. Hein. Michel, là, on chauffe le métal. Ouais, on chauffe le métal pour pouvoir lui donner la forme qu'on veut lui donner, soit allonger, soit élargir. Et ça, on va le faire au martinet. Et regardez-moi ça, des métiers anciens qu'on vous montre ici dans la place du village. Regardez-moi cette belle image. Oh là 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 là.
Et là, on chauffe à combien? On sait pas à peu près. Oh, c'est pas à peu près. Moi, j'y connais pas. Et le papa chose. A fait ça longtemps, lui. Attention. Hein. Ouais, lui, il savait la couleur de son feu, la couleur. Il savait si c'est quelle température. Et... C'était ça le métier, parce que c'est un métier à part entière, taillandier, c'est ça. Hein. C'est un métier de sculpture. C'est vraiment un beau métier. Ouais. Démonstration maintenant avec le martinet. On va passer de la forge, on a chauffé donc le métal, on le dit bien ici. Il est rouge et on va passer au martinet là encore avec l'enclume. Voilà, donc là, avec le martinet, on peut donc soit allonger, suivant la position, soit élargir le métal. Le martinet, ça claque, regardez-moi ça comme c'est magnifique, avec ses gestes incroyables ici. On dit bien que c'est alimenté par de l'eau. C'est le Nanmatra, hein, c'est ça. Il faut donc une réserve, il y a un bief un peu plus haut. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des roues qui permettent d'alimenter tout ça ici. Hein. Voilà, donc avant, c'était une ventilation avec une roue et un petit ventilateur. Mais après, à l'arrivée d'électricité, ils ont passé avec des ventilateurs électriques. Michel m'a montré les objets fabriqués ici dans la taillanderie du Martinet à Seyssel, des objets qui servaient à l'agriculture locale. On va les rappeler en quelques mots ici. On les reverra un peu plus tard dans l'émission sur Grand Air TV. Bien, regardez-moi ça ici. Ah, les objets. Donc, quand quelqu'un venait et qu'ils échangeaient la ferraille contre un bout de lopin, un bout de fonderie, on lui présentait tout ça pour lui demander quel outil il voulait. Et voilà, monsieur, il choisissait ici. Donc, il choisissait son outil et on lui fabriquait un outil en fer. Ça, c'est un sculpteur. Après, il fallait donc acierer, soit par cémentation, soit en ressoudant un morceau d'acier. Absolument. Un vrai sculpteur de taillandier m'a montré, tiens, les pioches ici, on les voit ici, les haches également, les herminettes en particulier ici. Et puis la serpe savoyarde ici, qui n'est pas la même que la serpe italienne. Voilà, hein. Voilà, c'est ça. Et moi ça, et puis les clous ici, est incroyable ici, un savoir-faire, un vrai petit musée là-bas. Voilà, hein. Donc là, vous avez aussi le passavolant, comme on disait, pour ébrancher, pour couper les ronces, qui étaient un peu inaccessibles avec la serpe. Allez-moi ça, les pièces suivantes, on va aller voir là où précisément on faisait travailler les meules ici. Hein. On va montrer ici, ça tourne également, toujours bien sûr à l'eau ici. Et voilà, ici les fameuses meules, et on affinait. Et on va le montrer, démonstration avec une hache, avec Michel Dépigny qui s'y connaît. Donc on mouille la meule, hein, c'est la formule qu'on utilise ici. Hein, et on alimente ici avec des tas de courroies, des tas de roues dentées. Il suffisait de tirer une manette et ça se mettait en route systématiquement. Là, on mettait en route la meulémerie. Vous voyez, voilà. La meulémerie et puis la perceuse. Donc, tout ça a été actionné par la roue. Et voilà, la meulémerie avec la perceuse ici. Regardez-moi ça comme c'est incroyable. Tout ça activé par l'eau. Démonstration, Michel, avec une hache. On a mouillé la meule et là, on va donc élimer. On va donc finalement rendre ça. Sortir le tranchant avant de le finir à la meule naturelle de grès là-bas. Ça amenait le fil. Et ça, après, on finissait de compléter donc cet aiguisage sur la meule grêle. Et voilà, regardez-moi ça, formidable ici, avec ses savoir-faire et ses gestes d'autrefois. Maintenant, il y a aussi, on va le rappeler évidemment, la pierre à grains, où avec grâce encore à l'eau, on arrivait à moudre des céréales autrefois. Vous voyez, si nous sommes, on dit bien, une région où l'agriculture est bien vivante ici, autrefois et encore aujourd'hui, avec la viticulture. Et voilà Michel qui connaît bien, son père a travaillé ici longtemps. Et moi, c'est toutes ces roues qui tournent là-bas, c'est incroyable. Ah, il fallait s'y connaître à l'époque, il faut être ingénieur. Oui, il fallait. Mais ils apprenaient, hein. Ah, oui. Ils apprenaient sur le tas, hein. Dès qu'ils étaient petits, c'était le boulot. Hein. À la sortie de l'école, c'était le boulot. Hein. Maintenant, allez voir la grande roue dehors, tiens, qui tourne. On va passer par là, je vais vous suivre. Hein. Et on va découvrir la grande roue qui permettait d'alimenter un peu tout ça. Allez, regardez-moi ça. Hop, c'est parti. Avec la scierie pas loin en plus. Et voilà, la roue qui tourne ici, incroyable. Alors deux mots sur la roue quand même. La roue a bougé. Hein.
Là, donc, la roue à Auget, donc c'est une roue qui fait 7 mètres de diamètre, qui a remplacé une ancienne roue qui était en bois de 5 mètres de diamètre. Donc, cette roue a été fabriquée, elle a donc 12 Augets assemblés par rivet. Chaque Auget comprend 62 rivets, ce qui fait 4464 rivets, tous rivetés manuellement. Bravo à ceux qui l'ont fait, on va s'approcher un peu de la grande roue, elle est toujours magique cette grande roue qui tourne ici et qui a la symbole de l'énergie et une forme d'écologie aussi, puisque bien sûr à l'époque c'était tout naturel tout ça, et ça c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant quand on voit la roue qui tourne ici. Et ça vous fait quoi justement Michel de revoir ces choses qui bougent, qui autrefois étaient avec votre papa ici. Nous, on a toujours été habitués à voir ça, mais ça nous fait chaud au cœur quand même de pouvoir y réparer. Et c'est pour ça qu'on veut y remettre un peu en état, si on peut être aidé des fois un peu. Absolument, il faut garder tout ça, c'est important. Ça représente quand même un certain capital. Absolument. Et pour l'instant, on tape dans nos bourses personnelles. Absolument. Il faut que vous soyez aidé. La scierie qui est aussi alimentée évidemment par la grande roue ici. Avec cette scierie qui, bien sûr, permet de faire des planches. Hein. Elle fonctionne évidemment. Maintenant, l'électricité, autrefois, c'était à la, bien sûr, avec l'eau du moulin, enfin l'eau du bief. Hein, le Nanmatra. Le Nanmatra, comme on dit ici. Merci beaucoup. On va reparler ici. On va demander juste à M. le maire, comme ça, pour terminer un petit peu ce moment ici. Monsieur le maire, va nous dire deux mots quand même, parce qu'on termine ce petit moment sur la forge du Martinet. On voit la roue ici, vous voyez comme c'est beau ici. Magnifique. Alors il faut juste expliquer qu'on a vu quelques images, on en verra plus longuement un peu plus tard. Mais là encore, il faut rappeler la nécessité de garder le patrimoine. C'est effectivement non seulement une volonté, mais je pense un devoir pour nous de garder ce patrimoine. Bah, c'est notre ADN, et si on n'est pas capable aujourd'hui de transmettre tout ce savoir et cette histoire, eh ben, on ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Pour les enfants aussi. Hein. Et il faut transmettre, et c'est notre objectif de transmettre aux jeunes générations tout ce patrimoine français, ce patrimoine savoyard qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, et d'avoir la chance d'avoir des gens qui ont eu cette passion. Absolument. Pour préserver tout ça. Le département, vous êtes élu au département maintenant, de la Haute-Savoie, est sensible aussi à cette question. Hein. Tout à fait. Il y a un pôle culture patrimoine qui est très attaché justement à notre patrimoine au savoyard. Et très prochainement, on va organiser d'ailleurs une visite sur ce site pour montrer un petit peu les atouts de ce Martinet. Eh ben, bravo en tout cas, et puis en plus c'est écologique. Tout à fait, ben, très écologique avec ces trous à eau qui a été remis en route, et voilà, l'eau c'est la vie et c'est important. Un mot, est-ce que le public peut venir aujourd'hui? C'est pas forcément fait encore aujourd'hui. Hein. Non, alors on est en train de remettre avec l'association en route tout ça, ça va être déjà un premier axe avec les écoles, on a déjà prévu de faire venir les écoles, c'est déjà quelque chose d'important, mais de plus en plus bien sûr ça sera ouvert au public pour montrer ce savoir et montrer ce patrimoine. Bravo Cécile, bravo à vous, bravo à ceux qui font vivre cet endroit et qui... Voilà ce très beau reportage fait du côté donc de Cécile, c'était avec Jean-Noël de Paris, donc en Haute-Savoie. Voilà, 19h49, bientôt la fin de cette émission, donc en cette journée de ce jeudi. N'oubliez pas, vous pouvez revoir cette émission si vous êtes tout juste de nous rejoindre, vous êtes tout juste peut-être de rentrer chez vous tranquillement. Et bien, vous pouvez retrouver cette émission dans un instant après le générique de fin en replay sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 517 000 abonnés. Merci à vous tous. Et puis également, vous pouvez revoir cette émission sans dire sans en replay également sur notre chaîne YouTube de la place du village. Et puis n'oubliez pas aussi nos autres comptes des réseaux sociaux, notamment Instagram, donc à retrouver avec ce nouveau compte de la place du village TV. Et puis n'oubliez pas aussi notre compte TikTok. Et bah oui, TikTok, on est présent également sur ce réseau social de la place du village avec quelques petites vidéos de moins de 3 minutes à découvrir, donc également sur ce réseau digital. Voilà, c'est la fin de cette émission ce jeudi. On se retrouve demain vendredi à 19h pour une dernière émission de cette semaine. Et puis dans un instant, les prévisions de la météo dans un nouveau direct. Et puis ce soir, on va se quitter comme chaque soir avec toujours de belles images.
On va donc s'intéresser à Annecy ce soir. Bah, allez, allons faire un petit tour d'Annecy en 4K. Pourquoi pas avec des images de City 4K. Justement, on va les remercier. On vous souhaite une passée une excellente soirée à vous tous. Et puis, bah, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine à 19h, toujours en direct sur Facebook et sur YouTube. Belle soirée à vous tous. Et puis, on se retrouve dans 5 minutes pour vos prévisions de la météo dans les pays de Savoie. Merci de votre fidélité et à demain.